Hey, Ohio, Minasan, c'est Kenshu. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4. Et comme vous remarquez, ma barbe est moins longue. J'ai pu me dégoter, on va dire, une tondeuse à barbe. Donc voilà, donc ça va un peu mieux. Donc voilà. Si je vous parlais, c'est juste que. Pour mon dernier épisode, on va dire, de Fallout 4, j'ai eu deux dislikes, je ne sais pas pourquoi. Donc la personne qui a mis ça, mets-le en commentaire, qu'est-ce qui est pas plus dans la vidéo, je sais pas, parce que ça me semble bizarre. Donc voilà, donc c'était un petit message. Donc on va continuer sur, on va dire, mon aventure sur Fallout 4. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire comme quête aujourd'hui? J'en ai pas mal de quêtes là. En 10 heures, j'ai pas peut-être visé les dictionnaires. Ok, d'accord. Trouver documents techniques, on fasse tout le temps. Parler à Jacques Abbott de l'artefact. Ouais, je pensais faire ça, tiens. Tiens, on va faire les quêtes d'hiver aujourd'hui. Ok. Bon, je pense que je vais déjà aller à Jacques Abbott, je pense. Pourquoi j'ai qu'un curseur là? Ah, il est peut-être là-bas. Ah, bah là-bas. Ok. Ok, on est là. Ok, tout va bien. Mais c'est les cadavres de la dernière fois. Toi, j'ai oublié de faire ça, tiens. Et qu'elles sont formées en ghoul et viennent me chercher. Ah, il reste en lui. Ah, ben voilà. Y'a plus rien. Hein? Quoi? Quoi, y'a des gens? Sérieux? Mes yeux! Merde! Non, pas ça. J'ai pas une grenade sur moi, moi! Tu vas me le payer! Ah! Je crois que mon cher collègue a utilisé, on va dire, un cocktail me top. Vous trouvez quelque chose d'utile? Ouais, ça va, ça va. Bon, on peut chercher, hein. Ouais, bah y'a plus personne. Elle fait vous, c'est là? Ok, d'accord. On va faire chier ramasser tout ça. Je sais pas pourquoi il est monté sur la caisse comme ça en mode what. Ok, bon, je vais parler à Jack Abbott. Désolé Doc, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, il n'y a vraiment plus rien à faire depuis longtemps ici. Putain, j'en veux plus, il faut passer. Là? On descend tout en bas. C'est un peu sombre. Ah! Ok, voilà. On va parler au docteur. Excusez-moi. Ah, bon voilà, bonne nouvelle. J'ai trouvé un moyen d'exploiter l'effet télékinétique de l'artefact. Je l'ai monté sur ce vieux fusil laser.
Impossible de le contrôler sans interface neuronale directe, mais tout a été détruit quand mon père est mort. C'est peut-être mieux ainsi. Néanmoins, il offre encore une force unidirectionnelle d'une puissance respectable. Tenez, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Merci. Il a l'air très bien, ce fusil. Merci. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ma vie maintenant. Je vais peut-être entreprendre le voyage dans le sud-ouest que je repousse depuis si longtemps. Mon père était convaincu qu'il y avait une autre cité extraterrestre sous le désert de Mojave. Ah bon? Un peu plus. Il va y avoir des trucs qui valent quelques capsules là-dedans. Ah mais le mec c'est en mode what? Alors, à quoi ressemble le bestiole? Ah, voilà. Je sais pas, mais voilà quoi, ça a l'air intéressant. Je vais oublier ça. Comment est-ce que ça, les autres sont été réinitialisés dans le coin? Ça m'étonnerait. Non, ça serait ouf. Ça, par contre, ça, je le prends. Hein. Franchement, l'aluminium est, comment dire, une ressource très 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 prisée ces temps-ci. Enfin, pour moi du moins. Ah ouais. Ok. Ça m'a l'air un joli joujou. Bon, allez, on se barre d'ici. Bon, j'ai récupéré un joli petit gun. Enfin, joli entre guillemets, mais il a l'air puissant. Je me demande si je pourrais l'améliorer cette arme, tiens. Mec, s'il sort en mode what? Non, ouais, je crois que j'ai déjà tout visité, tout fouillé, c'est juste que j'avais peut-être oublié certaines. Ça a été réduit en pièces. Ouais, j'ai dû oublier certains coffres à aller prendre, ok, d'accord. De cet endroit, on va chercher les deux autres. Ok, c'est parti. Ok. Ok, d'accord, ça c'est fait, tac tac. Ok, je vais à Diamond City. Ok, on est à Diamond City. Il comme ça lui. Un cœur c'est pour sortir, hein? Ok. Vous ne savez pas ce que vous cherchez? Pas grave, nous avons tout. Ah bon? Merde. Impasse. Il paraît que c'est à vous qu'on doit la nouvelle couche de peinture verte sur le mur. Ça rend bien. Le Merci. Surplus de Diamond City. La seule boutique à être ouverte 20... Encore une enquête spéciale. J'espère qu'elle va être bien celle-là. Alors, une enquête nouvelle.
nouvelle spéciale cassée confidentielle. Ok. Écoutez l'holoband de Marty. On va faire ça. Sur le toit de Fannery Hall, il s'avère qu'il y a une note dedans. Une note rédigée par le fils d'un certain Shem Drown. J'imagine que ce nom ne te dit rien, mais ce type était chaudronnier. Il y a bien longtemps, à une époque où on fabriquait ce genre de conneries. Bref, apparemment, cette note conduit directement au magot de ce mec. Je sais pas ce qu'il contient, et ça m'intéresserait de savoir s'il est toujours là. Je vais aller faire une petite reconnaissance dans le coin. Préviens-moi si ça te dit qu'on reforme notre équipe. Ok, la sauterelle dorée, sérieux. Sérieux, une sauterelle dorée, mais what? Mais, pourquoi t'es monté là, toi? Coucou toi. Ellie? Si vous voyez Marty, dites-lui ça de ma part. Où sont passées mes 20 capsules, vieille canaille? Et bonjour aussi. Ray. Un truc là, non? Non, Marty Open. Ok. Ok, mais on va allons chercher cette sauterelle dorée. Ok? Cette super sauterelle dorée. Je me demande à quoi elle ressemble et je me demande à quoi elle sert. Ouais. Peut-être de l'argent, qui sait. Sauterelle dorée, tu t'es où? Y'a pas de marqueur sur la map? Ouais, mais il n'y a que ça là, que ça ici. Peut-être que je dois la cocher, ouais. Ouais, si je la coche pas en même temps, ça veut dire. Tac, la centrale dorée, elle est où? Ah, elle est là. Ok. Je crois que j'ai plus m'attaquer au Jamaica Plane. Okay. Pourquoi je peux découvrir cet endroit? J'ai pas découvert cet endroit? Non. Ok. Bon, bah, je vais au lycée Sean. Ok. Personne à côté. Ok, si j'ai bien compris, il faut que j'aille tout droit à partir de là. L'endroit top, non? Capsule, ça je prends. Capsule. Ok, il faut aller tout droit à partir d'ici. Alors, j'aurais bien voulu voir si j'aurais pu améliorer cette arme là, mais bon, je vois ça plus tard. La question c'est, est-ce que je passe vraiment dans ce truc? Ouais, je vais juste ramasser ça. L'effet cacité de cette arme, elle est abusée, moi je trouve. J'ai fait un tir, ça fait boum. Ok, bon, je suis arrivé au machin. Non. J'ouvre le feu. Ouh. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Aïe. Ça m'a fait un peu mal au moins aussi. Ouais.
Aïe. Aïe. Ouh. Non mais lâchez-moi. Lâchez-moi bordel. Non, je recule. T'as pris marde toi. Hein. Allez merde. Merde. Voilà. Ah, t'es bien mort toi. C'est limite décevant. Et le corps. On sent qu'on nous observe. Rassurez-moi, c'était juste la tête ou... Fini de jouer. Je sais même pas où sont passés les autres cadavres. Il y a tellement eu de combats là. Ah, les cadavres. Mec, c'est, il marchait ce tour sur un ennemi, tu vois, qui est à terre, mais il remarque même pas. T'es... Ok, d'accord. C'est dit, attention, il devra m'envisager par terre. Je sais pas, on va lancer là. Je crois que j'ai eu le dernier. Ok. Qu'est-ce qu'on fout dans cet endroit? Je sais pas. En pique-nique. Fabrique ici. Me dites pas que vous croyez à ces conneries de trésors enterrés. Ouais, j'approuve que c'est un peu con. Mais s'il y a vraiment un truc intéressant, ouais, pourquoi pas. En tout cas, ça me fait gagner de l'argent. Ok, je crois que c'était un piège. Non, je vais pas prendre de conserve, ça me suffit amplement avec la boule que je me fais crafter. Enfin, que je me crave du moins. Bon, j'améliore parce que Storm elle a one shot pas sur le coup. Merde, j'ai ramassé une tasse, fuck. Super radio. J'ai jamais vu cet objet. Je. Nuka. Ouais, t'es lui le cul des tiens. C'est quoi ça? Ah, c'est une bouchée d'écureuil. Bonjour toi. Tu veux crever toi? Oh. Merde, je pensais que... Autant que ça serve à quelqu'un, on va dire. Je vais te briser tous les os. Merde, ce que tu... Ah, fusil de miniature, ça. Ça sera fini en manchette. Un gigot qui tombe sur lui-même. Ouais. Bordel ici, hein.
Trouvez-les! Trouvez-les! Ça, c'est ce que j'appelle une élimination confirmée. Ok. Je crois que j'ai ramassé des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Divers. Salut Ken, c'est Carl. Vous cherchez toujours du boulot tous les deux. Parce que j'ai une piste pour vous. Tu connais Sal, l'ancienne artilleuse. Elle est à la recherche des trésors de Jamaica Plain. Y a pas de plus gros mago dans le Commonwealth. Faut juste se méfier des Gaules. Je sais que vous avez les capacités qu'on recherche, Tanya et toi. Ça pourrait être un truc énorme. Ça vous branche? Ok, une invitation. Putain, mais des coups partout! Ils sont où? Ok. Le cadavre qui fait. Ouh! Quoi? Oh! Oh putain, j'ai fait tout péter le quartier, moi. Encore. Disparu? Sans déconner! Ouais, ouais, sans déconner. Allez-y! Où ça, là? La bonne blague. Ah, là. Mec, c'est lâché comme ça, me doit être. Pourquoi c'est verrouillé là, que là, c'était grand ouvert? Cherchez, vous avez 10 heures. Bon, je crois que je vais utiliser une autre arme, ce sera plus rapide. Passez là. Manger les rades parce que là j'en ai gavé dans ma gueule là. Un truc anti-rad en rad. Rad ouais. Voilà. On va manger un truc parce que je suis impression que je vais devenir trop lourd. Voilà. Ok, tout est fermé. Bonjour toi, Carl Everett. Journal de Carl. Poser la grenade et se barrer. Putain mais rapide. Ah putain c'est une desséchée. Ah. Ah. C'est une seule prise desséchée.
Dans ta tranche! On dirait que ça a fait mal. Ouais. Ça lui a transpercé la gueule. Ok. Toc toc, je ramasse ça, vite fait. Une capsule, ok. Ah, bouffe tout. Couper en fine lamelle. Voilà. Ok. Le deal, c'est que je vais m'arrêter ici et je reprendrai dans un autre épisode la suite de la recherche du... du concoffre secret du Jamaïca. Donc voilà, et je ferai aussi le secret de la sauterelle, enfin si j'ai le temps. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une autre de mes aventures sur ce bon vieux Fallout Cast. C'était Guincho. Bye bye.